avec des billes, si jamais. Je me présente, je suis Frédéric Millard, que beaucoup de dirigeants de TPE, PME ont du mal à dormir le soir, tout simplement. Alors, moi, mes clients, ils arrivent à dormir. Je suis leur directeur financier, à temps partagé, savoir utiliser les bons financements pour son entreprise. Et ensuite, je m'occupe de tout ce qui va de vous transmettre ce soir. D'abord, j'ai la chance d'être accompagné par ma collaboratrice qui me supporte depuis 27 ans. En fait, je dirige une agence de marketing depuis 27 ans. Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans le métier qu'on propose à nos clients, c'est de les accompagner en termes de communication sur une communication très pointue. Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez communiquer de différentes manières. Et je crois qu'il y a un élément qui est détonateur quand on veut faire une communication, c'est la sincérité, c'est l'envie de présenter quelque chose de beau et de donner envie à la personne qui est en face d'acheter. Et en fait, toute notre communication repose là-dessus, avoir envie de réfléchir avec notre client sur ce qu'il y a de plus beau pour le transmettre à l'acheteur. Et c'est en fait la petite idée juste qui colle au bon moment comme... Sommification, c'est ça, c'est saisir les opportunités, c'est saisir les bons moments, c'est saisir les joies, parce qu'il y a des joies partout dans la vie, et on est dans un monde d'espoir, et si on a de l'envie, on est capable de relever des montagnes. Voilà, c'est le seul message que je peux vous transmettre, et je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour écouter Victoire, qui va vous parler de sa passion, et vous allez voir, c'est tout simplement... extraordinaire, et Charles que je côtoie au quotidien, qui lui aussi va vous parler de son métier et de sa passion, et c'est un régal. Voilà. Merci. Suite à l'intervention de Laurent, je vous annonce que la soirée est terminée, parce que tout est bon. Bon, en fait, c'est super, parce que déjà, on a une très bonne introduction avec Frédéric et Laurent. Frédéric a su trouver le bon moment pour sortir son journal et faire un lien entre ce qu'il a dit et l'actualité. Et Laurent a donné un message qui donne envie d'être passionné, d'être qui on est et de se lancer, de prendre des risques.